Vous reconnaissez Anne-Claire Coudray. Tenez, madame. Bon, petit flyer, ça fait plaisir. Vous venez à la soirée? On compte sur vous. Toi, t'es Sam, hein, t'es celui qui boit pas. Hein. Tu ramènes tout le monde. On organise l'anniversaire d'un pote, Mélanie. Et vous venez pas avec vos mecs, hein. Allez, filez. Allez. Allez briser des cœurs, les filles. Vous serez là? Il y aura de la meuf. Mardi 8, ramène ta belle gueule. Alors d'habitude, on trouve des bons plans pour les artistes. Mais cette fois, c'est la maman de Lenny, 8 ans, qui nous a demandé un bon plan. Elle veut lui organiser un anniversaire qu'il n'oubliera jamais. Donc on s'est occupé de tout. Bon bec, parc d'attractions. Et même Kenji. Ouais, Kenji est invité. Même Beyoncé, elle rêverait d'avoir une invitation. Regardez. Ok, donc c'est là. Hein. Donc, rien de spécial, on est sur un petit 35 mètres carrés loi Carrez. On a un parquet flottant exotique, ça s'appelait, mais enfin, un enfant de 8 ans, il s'en foutra complètement. Puis bon, bah là, va falloir mettre un peu d'ambiance. Hein. Parce que si Lenny, il arrive là, il repart. Il va me dire, mais attends, mais c'est quoi ton truc? On dirait la salle polyvalente. Faut faire un truc. Qu'est-ce qu'on a là? Des bons becs, du bon bec, du bon bec et du bon bec. Popcorn. En même temps, Lenny, ça sonne un peu américain, tu vois. Ça se trouve, il est du New Jersey ou j'en sais rien. Avec tout ce qu'on a prévu, normalement, il y en a au moins 3 qui repartent diabétiques. Parce qu'un enfant de 8 ans, je crois que c'est déjà super énervé. À mon avis, s'il mange tout ça de sucre, les gars, faut appeler Pascal le grand frère. Je croyais que j'avais ça à 8 ans, j'avais que du gravier à manger. Je vivais dans une boîte d'allumettes. Je rongeais les ongles de mon père pour me nourrir. Ça fait un peu Cosette, vous rajouterez une petite musique triste sur ce que je suis en train de dire, ça peut être payant. Le seul anniversaire où j'ai été invité, c'est l'anniversaire de Céline Bourlier. Quand j'avais 8 ans, c'était un anniversaire où il fallait être déguisé. Ma mère, elle avait oublié de me déguiser. Elle m'a filé l'antenne de la voiture. Elle m'a dit, tiens, t'es une télé. C'était ça, mon anniversaire de mes 8 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'anniversaire de Lenny, ça? Moi, je sais pas quels étaient vos anniversaires quand vous aviez 8 ans, mais moi, personne ne mettait des gants en latex à mon anniversaire. Les petites serviettes, on va en mettre partout, parce qu'à cet âge-là, ça mange, c'est des vrais dégueulasses. Hein. Il a dû ramener sa chérie, Lenny. On va le mettre bien. On va faire en sorte que Lenny, ça soit la star du collège. De l'école, d'ailleurs, pas du collège. Parce que si à 8 ans, il est au collège, je sais pas ce qu'il fait là. On a vu qu'il aille à Harvard. Il a rien à faire avec tout, quoi. Faut qu'il se lance et qu'il reprenne Facebook. Ça, je vais le garder en cendrier. Des fois, peut-être qu'il fume en cachette, Lenny. Qu'il me dise pas, ouais, où est-ce que je fous ma malbac, quoi. Salut, mon ami. Ah, je t'attendais, hein. On a du boulot, mon pote, hein. Ben, c'est ce qu'on m'a dit, apparemment. Oh là là, merci mille fois d'être là. Hein. C'est trop cool. Comment tu vas? Ça va. T'es au courant? L'anniversaire du Lenny, 8 ans. 8 ans, oui. Il a invité tous ses potes de l'école. Tu vois, j'ai dressé un petit peu comme ça, on a pas mal de boulot. Mmh. Il arrive dans 20-30 minutes, okay, il faut d'accord. Que ce soit... Nickel. Moi, mon anniversaire de mes 8 ans était pourri. Moi, je me rappelle aussi, il pleuvait, on était à Bayonne, c'était l'enfer. C'est la seule fois où il a plu à Bayonne. Je pense, ça m'a traumatisé. On leur gonfle des ballons? Allez, vas-y, on y va. Il faut qu'on en gonfle un millier à peu près. Ça y est, j'ai pris le coup. Toi, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Wow! Lire les cheveux de ma grand-mère. Mon pote, ils arrivent dans 5 minutes. Hop là. Qu'est-ce que t'en penses? Mais là, c'est joli, hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on va voir là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a une surprise. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, il y a même des ballons. Ils arrivent les gars. Maintenant, tu te mets de côté, je les accueille, et ensuite tu nous rejoins et on leur fait la surprise. Là, ils vont être comme des fous. Bon, à tout de suite. À tout de suite, j'arrive. Lenny. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Lenny. Oui. Lenny. Oh. Viens voir mon pote. Ça va mon poteau? Oui. Ça grandit quand on sort de la moustache? Il y a de la barbe à papa. On a du bon bec. Moi, c'est cool. T'as des potes de l'école qui viennent? Oui, il y en a 11. 11? Alors, il y a qui dans tes potes? Tiffaine, Manon, une autre Manon. Attends, excuse-moi. T'as invité que des filles? C'est Justin Timberlake ou c'est Lenny là? Quoi, il y a que des filles dans ta classe ou quoi? Il y a Franck, Mathis, Paul. En vrai, ça reste entre nous. Sandrine, on peut avoir 2 secondes? Est-ce qu'il y a ta petite copine dans le... Oui. Non. Si. Tu me montres un moment. Quand elle arrive, juste tu me regardes, tu me dis c'est elle. Ok. Hey, salut. Salut, venez, venez. Comment tu vas, mon pote? Ça va? T'es dans la classe de Lenny? Oui. Est-ce qu'il est bon élève? Oh, il y en a d'autres. Venez, venez, venez.
Salut les filles. C'est elle, c'est elle, c'est elle ou pas? C'est pas elle, t'es sûr? Ok, comment ça va? Une star. Je suis une star. Neymar, tu connais pas Neymar? Ah, t'es pas dans la même école? Il a changé d'école. Ah d'accord, donc toi tu viens t'incruster aux Zanif, t'es malin toi, t'es bon. Mais non, mais c'est mon copain, avant il était dans mon école. Ok, Lélie, moi m'embrouille pas, j'essaie de faire connaissance avec vous, Lélie. Il va y avoir des trucs de fou, hein. Marie. Oh, beau gosse, bon move ça, bon move. Hé, hey, salut. Salut. C'est qui, c'est elle ou pas? C'est elle ou pas? C'est laquelle? Merci. Merci pour Lélie. Oh, bah c'est gentil, hein. Avec le doudoune bleu. Alors attention, vous allez pouvoir manger tous les bons becs que vous voulez. Donc on va faire deux équipes et on va s'affronter dans plein de manèges. Il y aura un adulte par équipe. Vous êtes d'accord? Il faut un autre adulte pour faire l'autre équipe. Vous voulez savoir qui c'est? Là, il est là. Et salut les enfants! Ça va, Lélie? Et Kenji va passer l'après-midi avec nous, les enfants. On va faire deux équipes. On va s'affronter. Il y en a qui choisiront d'être dans l'équipe de Kenji et de perdre. C'est qui va venir avec moi, ils risquent de gagner aussi. On se met dehors, on choisit les équipes. On y va? Lélie, tu vas être avec qui? Kenji, Gérard. Ah, allez, viens avec moi. Ça fait le meilleur choix. Désolé, Camille. Je te dis, hein, je suis à ça d'annuler ton anniv. Hein. Tu souhaites être avec qui? Avec Lélie. Eh, j'ai l'impression d'être dans The Voice. Je suis avec toi. Tu veux être avec qui? Lélie. Bravo, mon frère. Les gars, tu veux être avec qui? Oh, mais c'est pas vrai. Alors? On n'a pas le droit de le dire. Oh, je vous jure, vous n'êtes pas avec Kenji, mais on va gagner. On est chaud. Ramenez la coupe à la maison. Allez les rouges, allez. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Ah, celui-là, il m'a l'air pas mal, les amis. Alors, Lélie, on a les pétoches maintenant qu'on est devant. Hein. Chaud, l'équipe des Bleus. Oh. Pourquoi je fais ça? Ouh là là, ouh là. Regardez comment c'est haut. Oh, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Hey, je parie Camille, il est en train de vomir là. Il est là, Camille. Hey, salut Camille. Camille, il a peur, non? Vous leur direz pas que j'ai peur au bleu, hein. Promis, vous leur dites pas, hein. Non. Et c'est parti, bravo, vous l'avez dit. On refait pas, on refait pas, non. Non. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième étape? Ok, est-ce que vous voulez faire un petit coup de chaise volante? Oui. Bien sûr qu'on va le faire. On n'a pas peur, hein. Bon, deux par deux, les enfants. C'est terrible. Voilà, l'équipe des Bleus, ça va ou pas? On va gagner. Karaté, karaté, ouais, ouais. Je déteste. Et c'est parti, allez les Bleus. Oh, 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 enfant, ça commence. C'est parti, mon kiki. Oh, oh, c'est horrible. Oh, c'est terrible. Comment arrêter d'avoir peur de tout? Et pour les Bleus, allez, allez. Et pour les Rouges, allez, allez. Ça va, Camille? Non. Arrêtez ce truc, hein. Bon, alors, comment vous avez trouvé ça? Oh, c'était dément. C'était cool. C'était top, je l'ai pas vu passer. Ça va, Camille? Lenny, il te plaît ton anniv pour le moment? Ouais, je sais. Il te plaît pour Lenny? Ouais. Allez les Bleus, allons-y. Vous êtes les plus forts, les Bleus. C'est une nouvelle fois, c'est les Bleus contre les Rouges. C'est la course en sac. Cette épreuve
coûte 3 points, ce qui veut dire que tout va se jouer maintenant. Celui qui gagne cette épreuve gagne l'Olympiade. Non, Kenji, on est là-dedans, on est dans la triche. Triche, triche. Attention, à vos mains. 3, top départ. Allez doucement, allez doucement. Ouais, on l'a rattrapé, vas-y, ouais. Oui, on a gagné. Bah, vous acceptez que les rouges ont gagné ou pas, les bleus? Ben voilà, c'était bien joué. Allez, viens, mon Lenny, maintenant on va goûter. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bravo. Bravo. Trop bien. Regarde le cadeau que t'offre Kenji. Non mais attends, c'est un truc de fou. Voilà mon poteau, Lenny, une belle guitare pour toi. Tu m'as dit que tu m'as dit la guitare de Kenji. Celle-là, tu la revends pas sur le bon coin. Hein. Lenny, mon poteau, ouais. On va te faire un autre cadeau. Des places pour aller voir Kenji en concert à l'Accor Hotel Arena. Tu vas avec qui tu veux. Il y a 3 places, donc t'amènes les 2 meilleurs copains du groupe. Et... Mais je peux pas, je dois aller avec ma mère. Et pour vous tous, ouais. Vous savez ce qu'on fait? Non. Un concert de Kenji maintenant. Ouais. Quoi? Comment ça va les enfants? C'était trop cool. J'avais jamais vu Kenji Girac en vrai. Il est gentil. Je l'adore. Les mains en l'air, tout le monde. Thiago, mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Thiago. Allez. Bravo. Camille est un peu bizarre. Il dit un peu tout le temps des bêtises. 1, 2, 3. Vous oubliez. Vous oubliez. Merci à Kenji, à Camille. Sans eux, j'aurais fait un anniversaire chez moi, une boum simple. Et merci tout le monde. Merci. Merci, merci Lenny, merci à tous. Et l'année prochaine, si tu veux, je t'invite à mon anniv. T'es ouais. Chaud? Ok, check. Ça, c'est du calais. Encore bravo à l'équipe rouge, qui a été quand même bien meilleure que l'équipe bleue, il faut le reconnaître. Et puis surtout, merci à Kenji d'avoir été avec nous. Je rappelle que son tout dernier album, Amigo, est toujours disponible dans les bacs.